Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test d'un nouveau smartphone de Nokia qui est le Nokia 3, donc qui est l'entrée de gamme de la marque. Il est vendu au prix de 139 €, donc vraiment un smartphone très abordable. Donc ce Nokia 3 déjà, il mesure 143,4 mm de haut, 71,4 mm de large. Et il fait surtout 8,5 mm d'épaisseur, donc c'est relativement correct. C'est un modèle simple SIM ou dual SIM en fonction du modèle sur lequel du pays lequel on l'achète. Il a un écran de 5 pouces qui a une résolution HD, donc 1280x720p. Donc c'est plutôt correct pour ce type d'écran, ça lui permet d'avoir une densité de 294 ppi. Il est protégé par un verre Gorilla Glass, donc là encore, ça va permettre eh bien, d'éviter que le smartphone se rétro facilement. Concernant ses spécifications, on va retrouver un processeur MediaTek, donc c'est un quadricœur cadencé à 1,4 GHz. Il a également un GPU Mali T720. On va retrouver 16 Go de stockage interne, on va retrouver 2 Go de RAM, et on va pouvoir étendre en fait, la capacité du stockage du smartphone par une carte micro SD de 256 Go. Petit tour du propriétaire, donc ici sur le haut, donc vous avez déjà. Avant de faire le petit tour, on a différents coloris pour ce smartphone. On a un modèle silver, un modèle black, un modèle bleu, et un modèle blanc, donc gris, noir, bleu et blanc. Donc, j'allais venir à la présentation. Donc ici, on a un capteur en frontal de 8 mégapixels grand angle. Ici, là, on a le haut-parleur ici et on a la marque Nokia juste à côté. Ici, on retrouve des boutons qui sont capacitifs en bas de l'écran. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ensuite, donc on a évidemment la dalle de 5 pouces. À l'arrière, on retrouve donc une caméra également de 8 mégapixels avec un flash LED. La marque Nokia également qui est incrustée. Sur le côté droit du smartphone, vous retrouvez ici donc le bouton Power et le bouton de volume. Sur le dessus, ici, on retrouve donc la prise de jack 3.5. Sur le côté gauche, on a une tranche avec deux logements. Donc le logement pour la carte SIM et le logement également pour la carte micro SD. Et sur la tranche inférieure ici, donc on va avoir le port ici micro USB et on va également avoir ici deux grilles pour le haut-parleur. Voilà un petit peu pour le smartphone. Concernant sa conception, on est sur une dalle en verre à l'avant. On est sur un châssis complètement métallique autour et puis on a une coque plastique à l'arrière. Qui a quand même un plus bel effet. Le smartphone ressemble à ce que l'on avait, ce qu'on retrouvait précédemment chez Nokia avec ces petites courbures, cet écran. L'écran est plutôt beau, hein, il est plutôt lumineux pour un smartphone et qui coûte 139 €, c'est vraiment correct. Concernant l'expérience utilisateur, eh bien, on retrouve Android 7.0 Nougat, donc la toute dernière version d'Android. Il n'y a pratiquement pas de surcouche et du coup vous allez avoir une expérience quasi native en fait, de l'OS. C'est vraiment un souhait de la part de Nokia de vraiment travailler avec l'écosystème Google. Donc évidemment, vous aurez Google Assistant, malheureusement seulement en anglais et en allemand pour le moment. Sinon, vous avez une expérience totalement traditionnelle d'Android. Concernant l'appareil photo, alors vous n'allez pas le voir ici, parce que je suis devant un mur, mais en tout cas, on a vraiment une expérience plutôt correcte avec le capteur de 8 mégapixels. Ici, on est sur la caméra frontale avec un grand angle. Voilà pour un petit peu l'expérience. L'utilisation de ce smartphone évidemment va permettre aux gens de tous les jours de pouvoir l'acheter sans aucun souci puisque à 139 €, eh bien, vous allez avoir une expérience réellement convaincante.